Le magasin XO, prêt à porter femme. Le magasin Jacqueline Rieu. Et Monkey Tunes, la maison de disques online, vous propose Cabaret Live. Nous sommes de retour pour ce grand best-of. Alors c'est le best-of qui regroupe bien sûr l'année qui vient de passer. Nous allons accueillir maintenant, dans la plus grande magie que vous connaissez, des gens très particuliers qui nous viennent de très très loin. Il s'appelle US Magique. Alors la faculté de ce monsieur, c'est qu'il n'a pas trouvé mieux de couper sa femme en deux. Je vous laisse regarder.
Vous connaissez sûrement la musique de Monsieur Ferrat. Eh bien, dans une de nos émissions, nous avons eu la chance de rencontrer un dénommé Monsieur Pichot. Jacques Pichot, qui est venu avec son groupe, il nous a très surpris avec sa voix, avec sa prestance et surtout ses musiciens. À vous d'en juger. En forêt, de vallons, collines, au printemps qui va naître des mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, de Bretagne aux bruyères d'Ardèche, quelque chose dans l'air a cette transparence et le goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche, ma France. Cette ère de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo tenant de son exil des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit qu'on la fusille, ma
France. Picasso tient le monde au bout de sa palette. Des lèvres et des luards s'envolent des colombes. Ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe. Ma France. Leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une. Celle qui fait toujours vos crimes, vos erreurs, en remplissant l'histoire et ses fausses communes, que je chante à jamais, c'est le des travailleurs. Ma France, celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien. Le journal que l'on vend un matin, le dimanche, à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain. Ma France. Qu'elle monte des mines, descende des collines. Celle qui chante en moi la belle, la rebelle. Elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles. Ma France! Rappelez-vous de nos deux acolytes, John Gillett, ces deux artistes comiques qui ont bien voulu faire une petite farce à Louis Bertignac. D'ailleurs, Louis Bertignac s'est prêté parfaitement bien au jeu, puisqu'il a voulu impérativement ne pas savoir ce qui allait se passer, contrairement éventuellement à certains. Donc, nous lui avons lancé la vidéo, et il a été obligé de constater ce que vous allez voir. Nous sommes, comme vous le savez, en direct avec notre envoyé spécial. Ah, oui, bien sûr, d'accord. C'est notre ami John Gillett, très local. Donc, ça fait quelques années qu'il fouille un peu partout. Et là, ces derniers mois, en sachant votre venue sur la région, il a théoriquement retrouvé Cendrillon. Donc, on va le prendre en direct live tout de suite. Et puis, je vais lui passer l'antenne. Et puis, comme ça, vous allez pouvoir éventuellement converser avec lui. Il a retrouvé Cendrillon. Bonsoir mon cher Louis, bonsoir Tony, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors après de longues années d'investigation, après de longues années de doutes, nous avons enfin pu répondre à une question. Une question mystère, mais qu'est devenu Cendrillon? Eh bien écoutez, on l'a retrouvé dans une petite bourgade qui se trouve entre Albertville et Moutier, dans un bistrot qui est là, qui s'appelle Les Visiteurs. Alors, est-ce une coïncidence ou est-ce le fruit du hasard Louis? Pour cela, nous allons nous rendre à l'intérieur, voir ce qui s'y passe. Suivez-moi. Nous nous trouvons à l'intérieur du bistrot des visiteurs. Bonsoir monsieur. Est-ce que c'est Cendrillon qui est ici? Oui monsieur, c'est Cendrillon. Mais elle est toujours dans cet état-là, la pauvre? Ça fait 30 ans, la pauvre, qu'elle nous bassine, qu'un jour il viendra la chercher. Qui ça qui doit venir la chercher? Son prince charmant, Louis Bergerignac. Ah d'accord. Bon, comme tu vois Louis, t'as fait du dégât. Cendrillon? Allez, souillonne! Lève la tête! Lève la tête, il y a les gens de Paris, il y a la Tour Eiffel, ils veulent te parler! Allez! Il faut rester où aller. Comme vous voyez, ça s'annonce corsé l'interview de Cendrillon. On va quand même procéder à une vérification d'identité grâce à cette petite chaussure qu'elle avait perdue il y a déjà 30 ans. Cendrillon, s'il vous plaît, donnez-moi votre pied. C'est un mec. Les pieds de camionneur, la cochonne! Allez, pousse! C'est magique. C'est bien, Cendrillon. Wow. Cendrillon, votre cauchemar est terminé. Vous allez pouvoir vous réveiller. On vous amène tout de suite sur le plateau. Madrasé, votre Louis. Bébé. Fallait pas me laisser traîner là. Tant pis pour toi, la gentille, tu peux rester. Avec ces idées-là, oui. Oh, quelle horreur. Oui, j'arrive. Attends-moi. Et voilà, comme dans tout bon conte de fées, d'un seul coup de baguette magique, Cendrillon a retrouvé toute sa jeunesse. Et sa beauté, bien sûr. Comment vous la trouvez, votre Cendrillon, aujourd'hui?
Oh, elle a changé, la Cendrillon, elle a changé, hein. Elle a changé, la Cendrillon, et c'est grâce à toi, Louis. D'ailleurs, Cendrillon, on va partir... Louis, je t'aime, Louis, mon grizzly, je t'aime. On va le retrouver tout de suite. Donc, à tout de suite, on vous rejoint sur le plateau. Attends, doucement, le Parisien. On a... Il est mon verre. Non, même, non. Même rajeuni, non. Ça ne fait pas. Est-ce le hasard ou l'ironie du port ou l'éronion du sort? Enfin, vous m'avez compris. Je vous demande, est-ce que Cendrillon a-t-elle tué encore une fois sa dernière chance? Question sans réponse. J'en ai peur. On vous rend les studios. C'était Cendrillon, enfin ce qu'il en reste. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. C'était John Gillette en direct du bar des visiteurs. Bon. Donc. Eh ben, les travaux, pas trop. Ah bon, d'accord. Bon. Ah ben, ils vont adorer. Et tous les poils oui. Sur la poitrine. Non, mais bon, non. Disons que là, bon, on est dans un passage où, en effet, depuis le temps qu'elle attend, a priori, bon, de toute façon, écoutez, on leur laisse Cendrillon, enfin, sans ça. On peut leur laisser, ouais. Bon. Pour non, terminer rapidement. Aussi, je suis une vraie femme. Hein, ouais, d'accord. J'ai démasqué, hein, c'est pas une femme. C'est pas une femme. Non, c'est pas une femme. D'accord. Un petit bonjour et un petit merci, voire même très grand, à Monsieur Bertignac qui a été adorable. Pour cette dernière, je vous présente un garçon qui était dans nos premières émissions et qui a fait beaucoup de chemin depuis, Nell Dixon. Écoutez, profitez et à très bientôt. Drifting apart, you know I feel it daily. Imagination running through me, heartbreak waiting for me every time you open the door. So help me, I'm
taking chances that I know might kill me. Just hoping that you would come around and see me. I'm waiting for you every time I open the door. Cause every time you say those white lies, like I'm doing fine, you know you're only wasting your time. Cause we're both looking at the world through broken windows, because there's no surprise. And it's like every time something holding me back. Don't blame me. Let me slip away. It's not so easy to deal with someone who just looks right through me. Know that you're already 1 foot out of the door. Cause every time you say those white lies, like I'm doing fine, you know you're only wasting your time. There's no surprise. It's like every time I try to walk out the door, something holding me magasin XO, prêt à porter femme, le magasin Jacqueline Rieu et Monkey Tunes, la maison de disques online, vous ont proposé Cabaret Live.